Alors, le projet Zachary, c'est un projet qui a été lancé en fait avec la rencontre de Andy Beauclerc, qui était pasteur en France et qui est parti en Angleterre, et qui a fait découvrir en fait à l'Église protestante unie en France et particulièrement dans la région Ouest, qui a fait découvrir les projets innovants qui ont été lancés et réalisés par l'Église anglicane. C'est de comprendre la logique qui ont fait passer un certain nombre de ces églises de la fermeture ou presque la fermeture à une dynamique d'église renouvelée avec un vrai projet global au niveau de l'Église anglicane. Et comme nos églises ont envie de bouger, de passer à un autre... une autre dimension, eh bien, on vient voir ici quelle est la logique qui a conduit ces églises anglaises à bouger, pas pour copier la même chose, mais pour rentrer dans une démarche similaire, pour trouver nos propres réponses à nos envies de croissance de nos paroisses. Le vrai premier temps de travail sur le projet, c'est de redire leur projet, de redire en fait pourquoi ils l'ont construit comme ça, leur faire reprendre conscience de qu'est-ce qu'ils voulaient pour leur église au sein de ce projet. Et puis les deux temps suivants vont être plutôt comment ce qu'ils ont vu va les faire bouger, comment va faire bouger leur projet de paroisse. Et vraiment le dernier temps, comment faire transmettre son propre cheminement à des gens qui n'ont pas pu cheminer. Le travail d'équipe que nous avons fait ensemble, ça nous a permis de nous retrouver en dehors de nos murs. J'ai trouvé que ça nous a libérés. Quelquefois, nous pouvons être à la quête de certaines idées, mais nous avons des freins dans leur élaboration. Mais le fait d'être dans un environnement où des gens font autrement et qui sont partis de rien pour arriver à ce qu'ils font aujourd'hui, et ça nous permet vraiment d'être exacerbés dans nos idées. Et je trouve ça une très bonne chose, parfois de sortir de nos habitudes pour aller nous imprégner des conclusions des autres. Et sortir de l'environnement habituel où nous étions et être dans cet espace qui est nouveau pour nous nous a permis d'avoir une autre vision des choses. Tout est possible. À celui qui croit. Voilà, celui qui croit. Et nous y croyons. Et nous y croyons. Voilà. Bon accueil. Ah ouais. Nous avons été tellement bien accueillis que même s'il y avait eu des défauts, on ne se serait pas rendu compte. Voilà, hein. C'est ça. C'est vraiment formidable parce que dans cela, on a trouvé un esprit unique et vraiment qui découle même des personnes qui nous accueillent. Oui. Il y avait une cohésion, cohésion dans l'équipe de l'accueil. Oui, de l'accueil. Et nous nous sommes dit il va falloir que nous puissions, dans notre projet de vie, travailler aussi ce type de système d'accueil, même une fois dans nos paroisses, afin que ceux qui viennent nouvellement aient un sentiment tout de suite d'intégrer une famille. Parce qu'à Saint-Barnabas-Church, l'église est visible, déjà par des panneaux, mais les dimanches, il y a encore des panneaux additifs qui sont même mis dans la rue,
pour signifier que le temple est ouvert. Et non simplement ça, pour ceux qui viennent nouvellement, la première fois dans ce temple, il y a un feuillet qui regroupe un peu ce que c'est que l'église de Sebadabachet, mais avec une incitation à pouvoir laisser une adresse afin que ces personnes soient contactées par la suite. Alors, une fois par trimestre, on organise une matinée, typiquement c'est le samedi, qu'on appelle un Family Fun Day, et c'est un temps pour toute la famille. On ouvre les portes de l'église, on met les chaises sur les côtés, on met un château gonflable, on met des activités, des jouets pour les enfants, les petits et les moins petits, pour les grands aussi. On sert du café, du thé, des gâteaux. L'idée, c'est de créer un espace de vie, un espace joyeux, accueillant, convivial, où on peut accueillir des gens qui habitent autour et qui veulent découvrir autre chose. Et c'est tout simple, en fait. C'est juste partager la joie. On prêche pas, mais on ouvre l'église et puis on vit avec eux un temps joyeux. C'est un lieu communautaire. Et c'est offert par l'Église. On retrouve en quelque sorte le rôle du bâtiment d'Église dans le temps, qui était un lieu de rencontre pour la communauté. Le plus surprenant, c'était cette structure d'une église anglaise du 19e siècle, très classique, avec ses vitraux, avec même son autel et ses structures gonflables. C'est la juxtaposition des deux qui était surprenante. Et ce que j'ai vu, qu'il y avait deux écrans vidéo disons au fond, qui disait « Bonjour à tous, une église pleine de vie ». Et c'était vrai, c'était tout à fait ça. Il y avait la vie avec tous ces enfants qui criaient, qui jouaient, qui prenaient vraiment plaisir. Est-ce que c'est transposable en France, dans notre contexte? Je pense que oui, pourquoi pas. Dans le sens où on n'a pas besoin d'une autorisation des pouvoirs publics. Oui, pour faire ce qu'on veut dans notre temple. Voilà, pour faire ce qu'on veut dans notre temple. Et d'autant plus que, bon, si vous avez bien vu, chaque enfant était accompagné par ses parents en matière de surveillance et de sécurité. Tout était vraiment prévu. Oui. Donc, pourquoi pas? Il suffit simplement d'oser, si on le veut. Alors, une de nos approches ici, c'est de dire, pour toucher des publics différents, on va essayer d'avoir des approches culturelles et cultuelles diversifiées. Et cela s'exprime, par exemple, le dimanche, par les formes de culte que nous avons. Donc, aujourd'hui, on a quatre cultes le dimanche, chacun ayant un style, une approche différente. Le premier culte, donc le culte de 9h, c'est un culte traditionnel avec une liturgie relativement classique, une sainte scène, des chants à l'orgue, des cantiques, etc. Ensuite, un deuxième culte à 10h30. Un culte plus moderne, qui est plus tourné vers les familles. Il y a tout un accompagnement des familles et des enfants, une catéchèse qui a lieu pendant ce culte. C'est un lieu donc de rencontre des gens qui sont peut-être portés par une autre approche plus moderne. Dans l'après-midi, on a un culte à 17h qui est, lui, un culte en français. Intéressant, on l'appelle French Connect. Pourquoi un culte en français?
parce que beaucoup de Français et de francophones habitent à Londres. Et on a constaté que là, il y a une chance pour nous d'entrer en résonance avec ces gens-là, en leur permettant un espace où l'Évangile est annoncé, mais autrement. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit-Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu vous donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Qui est l'Esprit-Saint? Que fait l'Esprit-Saint? Et chaque livre de la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, les auteurs nous donnent une facette à voir. On commence par Jean aujourd'hui. Alors, les événements qu'on organise au French Connect sont de plusieurs natures. Il y a des événements autour de la table, évidemment, puisqu'on veut connecter avec la culture française, la culture francophone. Et donc, on a organisé des grandes raclettes, des grandes galettes des rois et des dégustations de vin, c'est principalement ça. Quelques crêpes aussi, avec la chandeleur, etc., etc. Mais c'est des événements qui nous ont permis vraiment d'accueillir de nombreuses personnes ici à Saint-Barnabas, au French Connect, des Londoniens. On a vu passer plus de... Je me retourne parce que l'église est juste à côté, mais on a vu passer plus de 3000 personnes par les portes de Saint-Barnabas depuis maintenant 4 ans, malgré le Covid. Donc ça vous dit l'importance de ces événements qui ont eu lieu. Alors, la raclette, on en a fait beaucoup, et les chiffres clés de la raclette, on en a fait 6. C'est 1000 personnes qui sont passées par les portes de Saint-Barnabas. Et j'ai les chiffres là devant moi, mais c'est à peu près 250 kg de fromage. Raclette, donc 500 kg de patates, plus la charcuterie, les cornichons. Donc on a investi pas mal aussi dans des fours à raclette suisses, double demi-meule, 1500 watts. L'église a investi là-dessus, mais aussi sur l'électricité, parce que je vous avoue que les premières raclettes ont été assez folkloriques, puisque évidemment les plombs de la paroisse ont sauté. Et plutôt bien faite l'église, puisqu'il y a plusieurs tableaux électriques. Et donc je courais d'un tableau électrique à un autre pour savoir où est-ce que les plombs allaient sauter. On a un dernier culte qui est tout nouveau, qu'on vient de lancer en 2022, donc il y a 3 mois. Et ce dernier culte à 19h s'appelle Create. Qui est un culte innovant dans le sens où on essaie de s'appuyer sur l'expression artistique et de laisser s'exprimer la foi par la liturgie, les chants, par le temps de parole, etc., en utilisant et en exploitant les dons des uns et des autres, les envies artistiques. Et ça donne du coup un culte qui est peut-être plus de l'ordre de l'échange, plus interactif, peut-être plus calme, plus méditatif, encore un style différent le dimanche soir. Oh, je vais dire le premier et le dernier. Si je peux. Voilà. Le premier, parce que je me suis bien retrouvée dans ce culte traditionnel. Et puis l'organiste était super. On chantait vraiment ensemble. Et le dernier culte, le culte Create, vraiment parce que c'est un culte tout à fait autrement et avec beaucoup de créativité, d'échanges, des chants magnifiques, une prédication dynamique. Et je me suis vraiment retrouvée là-dedans. J'ai bien aimé et j'ai trouvé que tous ces cultes étaient diversifiés et qu'en fait, on pouvait trouver facilement son chemin à travers tous ces cultes diversifiés, à travers le dernier qui est par l'expression, l'expression du dessin, c'est artistique, c'est bien. Je dirais plutôt qu'aussi un peu impressionné par le dernier culte, celui qui a le culte artistique, parce que
Vraiment, c'est venu d'un angle auquel je ne m'attendais pas du tout. J'avoue que c'est la première fois que j'assiste à un culte de ce genre. Et j'ai beaucoup aimé l'interprétation que chacun a fait de chaque tableau, la possibilité de relier l'art qu'on voit, c'est-à-dire un dessin qui aurait un sens simplement purement anodin, mais qu'on le lie avec un domaine purement spirituel à la Bible, c'est formidable. Le concept du culte artistique parle lui-même, parce que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, est un architecte créateur, en fait. Et il est architecte, il nous associe, nous aussi, comme architecte créateur, dans tout ce que nous pouvons porter, réaliser et faire. Mais décliné dans un culte ordinaire, ce n'est pas assez évident, mais globalement, l'idée est très très bonne, même s'il faut adapter un petit peu dans la mise en application. J'ai bien aimé le deuxième culte. Ce culte avec animation, avec musique, avec louange. C'est vrai que sur un plan spirituel, ça m'a vraiment emporté. Every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Alors, à Saint-Barnabas, je suis responsable de tout le département musique. Je suis aussi responsable d'une école de musique qu'on a ouverte ici. Et quand je reviens sur le département musique, c'est voilà, la musique dans nos services. On a 4. Et après, tout ce qui est musique qui sort en dehors de l'église. Ça aussi, je suis responsable de ça, c'est-à-dire mettre en groupe en place, travailler des morceaux, aller les jouer ailleurs, par exemple, dans un pub. Ou à d'autres endroits où on est invité à faire des choses dans le quartier. Ils nous ont invités plusieurs fois à faire leurs fêtes de quartier. Ils ont organisé, ils nous ont invités, nous, en tant que groupe d'église, à venir faire leurs concerts pour eux. Alors, dans mes formations louanges, je le classe en deux catégories, plutôt. Il y a ce qu'on appelle la formation technique, musicale, et il y a la formation spirituelle. Et ces deux-là se mélangent. Et très souvent, dans ce qu'on a, on va avoir peut-être des gens spirituellement très matures, très stables, donc qui est très bien de travailler avec eux. Le sujet de la louange, ils aiment louer, adorer Dieu. Mais par contre, au niveau technique, ils ne sont pas encore là. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de les former là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a aussi une école de musique ici. On va leur dire, ben, tu veux vraiment rejoindre le groupe de louange, tu veux chanter avec nous, ben, peut-être que dans cet élément-là, ou dans ta guitare, dans la façon de jouer la guitare, ou dans ta façon de chanter, il te faut te perfectionner là-dedans. On a des profs qui peuvent t'aider. Et donc, on va pousser cette personne-là, qui est mature spirituellement, à prendre ce côté technique. Maintenant, l'autre personne qui arrive ici, qui est tout nouveau dans la foi, et qui, lui, au niveau de l'instrument, il maîtrise très, très bien, mais il a besoin de grandir dans sa foi. Et là, on va l'accompagner aussi là-dedans. Parce que la louange, il y a quand même cet élément spirituel, c'est on est là devant Dieu, pas en train de faire une performance, mais en train de louer et d'adorer Dieu. En quoi l'œuvre de Dieu me surpasse? L'œuvre de Dieu me surpasse toujours. Pour moi, c'est important de sentir cela, parce qu'à ce moment-là, je me rends compte que je suis juste un instrument que Dieu utilise. À des moments bien distincts, Dieu m'a parlé. Je me rappelle de ça, une fois, j'étais en Inde, en faisant un gros, gros, gros événement avec une centaine de milliers de personnes à peu près devant moi. Et on était là en train de chanter tant de louanges en plein air. Et tout d'un coup, la musique, j'ai arrêté de chanter, j'ai regardé ce peuple-là et la musique a continué à jouer et les gens ont commencé à louer, à adorer Dieu. Et là, tout d'un coup, une pensée m'est venue et cette pensée, c'était comme l'Esprit de Dieu qui me parle, qui me disait, tu vois Gilbert, ce qui est en train de se passer là, c'est pas toi, c'est moi. Au
qu'on essaie à Saint-Barnabas de tenter de nouvelles expériences qui sont comme des lieux de rencontre, des temps de rencontre, des passerelles entre ceux qui sont dans l'Église et ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. Donc on a une insertion particulièrement importante, je pense, dans le tissu du quartier, dans le tissu social, dans la vie du quartier. On essaie d'animer les choses, pas simplement dans le bâtiment d'église, mais en dehors, dans des espaces plus communaux, plus généraux. Mais même quand on essaie de faire venir des gens dans des activités ou vers des activités d'église, c'est pas juste le culte. On essaie d'imaginer d'autres formes de lieux, d'autres moments de rencontre. Psychologiquement, on rencontre les gens là où ils sont. Et donc, je pense que Saint-Barnabas est peut-être un exemple, pas le seul, mais un exemple, d'une église locale qui cherche à rejoindre ceux qui ne sont pas dans l'église pour créer une sorte de passerelle, un lieu, un trait d'union qui permet aux uns et aux autres d'avancer sur le chemin de la foi. On espère en découvrant la foi en Jésus-Christ et puis à terme en trouvant leur place dans une communauté chrétienne. Mais même si ce n'est pas le cas, c'est à nous de sortir pour bénir la société, pour encourager, pour servir et témoigner par nos paroles et nos actes de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui nous anime. Personnellement, je retourne de Saint Barnabas Church à Londres avec cet encouragement à porter l'Évangile, à vivre l'Évangile, à respirer l'Évangile. Ensuite, tout cela irrigue non seulement ma vie personnelle comme pasteur, mais aussi la manière d'aborder les uns et les autres que le Seigneur met à notre disposition. Et enfin, pour la paroisse, c'est Jérémie 29, un avenir et une espérance, c'est ce qui me semble important pour notre vie ecclésiale. Je repars avec un champ de vision beaucoup plus grand que quand je suis arrivée. Beaucoup l'envie de faire des choses. Aussi être encouragée à prier davantage. Ce séjour à Londres pour le projet Zacharie m'a permis d'avoir une vision spirituelle et d'un côté et de l'autre côté m'a encouragée pour aussi pour les quelques interrogations que j'avais eues au départ avant de venir ici. De ce voyage, j'ai retenu deux mots, le mot « se décaler » et le mot « dynamique de vie ». Et je pars avec l'espoir que quand je vais retourner à New York, beaucoup de changements vont s'opérer. Je rentre avec un sentiment d'encouragement, regonflé à bloc pour pouvoir servir le Seigneur. Merci.